Hey Yorana les amis, j'espère que vous allez bien dans cette nouvelle vidéo, dans ce nouveau vlog. Donc là on est actuellement à Rome Termini, il y a la gare qui se situe juste en bas de chez moi, je vais vous montrer vite fait. Hop, je sais pas si vous voyez, il y a la gare là. Enfin c'est l'arrière de la gare donc on voit pas très bien. Je suis actuellement, comme je disais, dans ma chambre d'hôtel. Petite chambre d'hôtel plutôt sympa, avec le lit. Là je suis en train de préparer ma valise parce qu'aujourd'hui je vous emmène à un endroit merveilleux. Je crois que j'ai déjà dit ça dans le vlog, mais c'est une surprise. Je vous emmène avec moi dans ma préparation. Il y a le train d'abord. Tout d'abord, je prends le train, ensuite l'avion et ensuite un taxi, je crois. Et ensuite, vous allez voir, cette longue aventure ne fait que de commencer. C'est parti, me suivez, let's go. Et c'est parti les amis, petite valise de Fred, on peut y aller. On va partir. Allez, let's go. En fait, j'ai oublié de dire les amis, j'ai fini de prendre mon petit déjeuner. Ici, je mange beaucoup de tomates parce que j'adore la tomate avec de l'huile d'olive. Leur huile d'olive est juste succulente, d'une saveur incroyable. Donc voilà, c'était tout ce que j'avais à vous dire. Je sais pas si vous m'avez compris. J'ai ma petite bouteille d'eau pour bien s'hydrater et c'est parti. Let's go. Il fait super beau. Là on a pris le train pour aller jusqu'à l'aéroport, ça devrait durer 20 minutes et là on est à l'aéroport de Rome. C'est parti. Ça y est les amis, on a passé les contrôles et donc là je vais aller voir quelques produits skincare par ici. J'adore le skincare, surtout pas en aéroport. Donc, oh, Biotherme, waouh, c'est parti. Voilà les amis, je sors du magasin, je me suis acheté quelques produits skincare. Si vous voulez, je vais vous montrer, je vais vous faire un unboxing de ce que j'ai pris. D'ailleurs, je vous ai toujours pas dit où on va. En tout cas, là, on va aller à Athènes, mais c'est juste un transit, voilà. Oh, regardez cet écran. Donc voilà, on va aller à Athènes, là, je vais chercher en fait ma gate. Je crois que c'est A64, un truc comme ça. Oh non, j'ai oublié. Attends, on va aller voir là. Alors... Oh non, mais il n'y a pas mon truc. Il est où mon truc? Ah, c'est bon les amis, j'ai retrouvé. Donc, 13h, Athènes, gate A65. C'est parti, let's go, c'est là-bas. Allez, vite, vite. C'est bon les amis, je suis bien arrivé, c'est là. Bon les amis, update, notre avion a 2 heures de retard. On va devoir attendre encore là dans l'avion parce qu'en fait on n'a pas eu les valises dans l'avion, donc du coup on va attendre. Allez. On va dormir je pense. Allez les amis, petite outette, on est bien à Athènes, on est arrivé avec 2 heures de retard. Je savais pas si j'allais filmer parce qu'on a raté notre avion du coup pour aller à la deuxième destination. Mais on a réussi à changer nos billets d'avion, ils ont été super sympas. Donc on va arriver vers 21h30 à la destination, où vous allez découvrir aussi. Donc je sais pas si ce sont mes valises ça. Non, mes valises là. Non, c'est pas moi. Donc du coup, on a... Oh, voilà ma valise. J'ai vu ma valise. Parce qu'en fait, vous savez, ma valise, il y a plein de chouchous, il y a plein de petits trucs roses et tout. Donc on la voit carrément bien passer. C'est le pire hasard. Donc allez, c'est parti, on enchaîne. On va prendre ces avions-là. Thank you.
Yo les amis, alors il est actuellement je crois 22h, 23h, je sais plus. Attends, je vais aller voir. Il est quelle heure? Ouais, 22h50, donc bientôt 23h. Je viens tout juste d'arriver à l'hôtel. Alors, est-ce que ça vous dirait que je fasse un room tour? Je viens tout juste d'arriver, donc je vais découvrir en même temps que vous. Donc, lorsqu'on entre, voilà la porte d'entrée. Ici, on a un petit salon avec la télé. Oh, j'adore trop regarder cette entrée-là. Ça fait très pharaonique ou esmeraldalesque ou aladdinesque. Il est tard, du coup, je raconte n'importe quoi. Oh non, regardez-moi ça. J'ai qu'une envie. Ah, j'adore trop. Je sais pas si vous aussi, mais lorsqu'il y a un grand lit genre comme ça, en plus c'est quand même bien fait, on a envie juste de plonger dedans, de se jeter dedans. Donc voilà, ça c'était le lit. Ici on a un petit placard, donc je vais faire, vous avez remarqué, tout est blanc. Parce que même à l'extérieur, enfin j'ai pas pu vous montrer parce qu'il fait nuit, mais genre les maisons sont blanches et architecture très spéciale. Donc ensuite voici la salle de bain, je vais vous emmener. C'est trop drôle, regardez-moi ça. Ça sert à s'asseoir dessus. Et pour se cacher sur vos toilettes. Donc là, t'as deux vasques. Coucou, il est beau. Et là, t'as une magnifique douche. Une grande douche. Je vais commencer à défaire ma valise parce qu'on est là pour deux nuits. Voilà, deux nuits. C'est le dernier séjour. Après, on retourne à Tahiti. Donc, on va bien profiter, découvrir aussi. D'ailleurs, je ne vous ai pas dit où on était. On est à Santorini. Donc voilà, Santorin. Waouh. Un rêve. Bon, je vais aller me toucher, ensuite finir cette vidéo là, maintenant d'ailleurs. Et puis on se retrouve demain. Normalement, on se retrouve demain. Je ferai un vlog en fait pour tout le séjour ici à Santorini. Donc c'est parti, on se retrouve tout de suite pour vous. Et moi, je vais dodo. Oui. Hello les amis, bienvenue dans cette nouvelle journée. Donc là, je viens tout juste de me préparer. J'ai fait ma petite skincare routine. Je vous présente en fait le plan de travail sur lequel j'ai mis mes produits. J'adore trop. Ouais, j'ai laissé ouvert et mon lit n'est pas fait. Mais c'est pas grave. Voilà un peu ma petite commode. Juste là, j'adore. Petit miroir, lumière. Donc ici, il y a tout. Enfin, là, ce sont mes lunettes de vue, lunettes de soleil, mes bijoux. Et voici toute ma skincare. Alors, vous avez reconnu parce que vous avez déjà vu dans différentes vidéos. Donc, j'ai rajouté celui-là. C'est une crème pour les yeux, CeraVe, avec de l'acide hyaluronique et aussi également des peptides super intéressants en fait pour le contour des yeux. J'ai rajouté quoi aussi? Je crois la crème solaire, je vous en ai déjà parlé. Mais j'en ai acheté plein des crèmes solaires là, il faudrait que je vous montre. Et bien sûr, ma bouteille d'eau pour bien s'hydrater. Alors aujourd'hui les amis, au programme, ça y est, j'ai pris mon petit déjeuner, je vous ai pas emmené avec moi. Je pense que demain je vous en emmènerai avec moi pour que vous voyez le petit déjeuner. Aujourd'hui, oui, ça va être séance shooting photo ce matin. En fait cet après-midi j'ai demandé un peu qu'on me laisse un peu de temps pour me reposer et tout. Ouais, oui, quand même, j'essaie de profiter. Donc du coup, j'ai demandé d'avoir 2 heures pour me reposer, pour me préparer aussi également. Donc on va commencer vers les 13h, le shooting photo près de l'hôtel, mais aussi de la piscine. Vous allez voir, il y a une magnifique piscine. Je pense que je vais vous emmener avec moi à ce shooting photo. Et puis, donc là, on va aller se préparer, préparer les vêtements et tout et tout. C'est parti, let's go. Wouhou. Yo les amis, ça y est, je suis prêt. Petit outfit style très européen avec les espadrilles là, je sais pas si vous voyez. Plouf plouf. Voilà, donc là on va aller je pense dehors. Juste dehors, profiter de cette magnifique vue. Le soleil est incroyable. J'ai mis de la crème solaire et tout parce que là ça va taper, ça va taper. Donc c'est parti, let's go. Wouhou. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle aventure avec Teddy Tang au micro. C'est parti! Yo les amis, on vient d'arriver au petit port, donc c'est le bateau que nous allons prendre. En fait, il y a des bateaux de différentes nationalités, anglais, français, espagnol. On va prendre celui French. Let's go!
Les amis, on va aller sur cette montagne. C'est un volcan, ça. Alors les amis, on a 7 minutes de marche avant d'arriver au premier point. Alors les amis, on vient tout juste de finir la visite du volcan. On a fait ça pendant 1h30. Donc là, il y a le bateau qui nous attend juste en bas. Ils sont magnifiques les bateaux. Et là, on va s'arrêter à une autre île où on pourra, je pense, peut-être se baigner. C'est pas sûr, à voir. Alors ils disent que notre bateau, c'est le deuxième, celui qui est là, Albatros. On doit traverser un autre bateau. Allons. Bon les amis, là normalement on est censé sauter à l'eau, mais l'eau elle est à 16 degrés. Mais genre 16 degrés, je meurs de froid, hein. Je suis quand même en frileux et tout. Donc l'eau elle est là, vous avez vu des gens sauter et tout. Je sais pas si je vais. Je suis en train de me tâter, je commence à mettre mon maillot là. On va voir, on va voir. Waouh, j'ai pas fait les calamars. Je vais monter ça, vous voyez ça. Je suis en train de me préparer psychologiquement à monter cette montée. Alors les amis, vous avez vu cette grande montée là, juste là? Bah je vais la gravir, je vais aller en courant. Petit challenge, il est actuellement 14h10. Grand soleil, il fait chaud. C'est parti, let's go. Alors les amis, petit update, j'ai retiré le t-shirt, il fait trop chaud. Regardez-moi cette vue de malade, truc de fou. Donc là on va aller jusqu'au sommet. Et puis, je vous ai pas non plus dit ce que j'ai pensé en fait de la plongée en fait dans l'eau froide. Il disait c'est à 16 degrés, arrivé au sous thermal, il allait faire 23 degrés. C'est faux. Genre là où il y avait les sous thermales soi-disant, il faisait à peine pas plus chaud que 17 degrés quoi, c'était hyper glacé. Donc du coup bah c'était hyper froid, donc en plus je suis très frileux et j'ai quand même sauté dans l'eau, plouf. Voilà, j'ai pas pu filmer, mais au moins pour de vrai je suis allé, j'ai essayé de trouver une photo, je sais pas si on va voir. En tout cas là, waouh, j'en peux plus. Allez, c'est parti, il me reste encore, je sais pas, une bonne quinzaine de minutes. Et let's go. Ah les amis, c'est de l'aventure ça, hein. Allez, je fais des gros bisous. N'oublie pas de liker cette vidéo, hein, pour me donner plein plein de force. Allez. Alors les
les amis, je vais juste faire un petit rappel, petite courte histoire. Je sais pas si vous voyez là, mais en fait, Santorin est fait sur un ancien cratère qui s'est effondré. Donc en fait, vous pouvez voir ici que Santorin, c'est comme un rang. Vous voyez le rang là avec des habitations. Et au milieu, c'est là, le cratère s'est effondré. Donc tout ce qu'il y a autour s'appelle la Caldura. D'après la légende, c'est là où se situerait l'Atlantide. Vous savez, la cité perdue et tout. Ben, c'est juste en dessous de Santorin. Là, on vient d'arriver en fait au village et je cherche un petit magasin. Oh, il y a un petit chat, regardez-moi ça. Coucou toi. Il y a plein de chats par ici. Ok, tu fais la star, tu t'approches, tu t'en fiches. Allez, merci. Goodbye. Bon les amis, je suis en train de chercher un magasin, mais je trouve pas de magasin. Il y a une magnifique vue là, mais... Regardez-moi ces maisons avec des fenêtres bleues, c'est trop beau, waouh. Typique de Santorin. Fait d'une chaleur, regardez-moi ça. Where is the magasin? Ok, on va essayer de voir là. Allez, je vais aller au magasin. C'est vraiment cool parce que c'est vraiment la ville typique de Santorini. Là, on a des petites maisons roses, voilà. Et c'est très, on va dire, très charmant, regardez. Yes, mini market, c'est ça qu'on cherchait. Oh yeah. Waouh. Trop beau. Je sais vraiment pas où je suis là. Ouh. Oh mon dieu les amis, je suis en train de pleurer. Je vais me mettre dans une petite ruelle là. Ouf, une petite cachette. Ouh. En fait, il y a ma crème solaire. Avec la transpire, ça pique les yeux. Non mais franchement, c'est trop cute là. Les clochers. Je touche pas trop mon magasin. Il y a encore des chats là. Mais les chats, vous avez pas de maison? Coucou toi. Hello. Mais tu fais ta star aussi? Oh, il y a un autre chat là-bas. Allez, petit chat. Bon les amis, je suis en train de me perdre. Ça fait 15 minutes que je cherche un magasin. Et il y a mon bateau qui va partir dans à peu près 30 minutes, sachant que je dois redescendre tôt. Je sais pas comment je vais faire là, je sais même pas où je suis. Je vois que des petites maisons blancs et bleues. Bon, on a toujours cette magnifique vue, heureusement. Mais je sais pas où je suis. Oh, j'espère que le bateau va m'attendre. Il a intérêt à m'attendre quand même. Bon, je vais vous laisser un moment. Je vais essayer de retrouver mon chemin. Et puis je vous tiens au courant si je rate mon bateau ou pas. Oh, encore un autre chat. Regarde, salut toi. Oh non, 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 non. Hello les amis, voilà, il est 3h30 du matin. Dernière journée à Santorin et dernière journée en Grèce. Donc en fait, je vais retourner à Tahiti demain matin. Là, on va prendre l'avion pour aller jusqu'à Athènes. Et ensuite de Athènes, on va prendre un autre avion pour aller jusqu'à Paris. Et puis ça y est, c'est la fin du séjour. N'hésitez pas à me dire si vous avez aimé cette vidéo-là, des vidéos voyage et tout. Ça me ferait vraiment plaisir d'avoir vos retours par rapport à toutes ces vidéos-là aussi. En tout cas, moi, ça m'a fait super plaisir de partager tout ça avec vous. J'ai vu que sur les réseaux sociaux, vous avez été beaucoup ben, à me suivre dans ces aventures folles. Merci beaucoup pour cette magnifique aventure. En tout cas, voilà, je vous aime fort. On se dit à très bientôt pour de belles aventures. Je vous fais de très beaux bisous. Il ne me reste plus qu'à vous dire, prenez soin de vous. Maururu, Nana, et à très bientôt. Ciao, ciao.